Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tutoriel tout facile à faire en Fimo. Comment réaliser des petites boucles d'oreilles ananas. Ça peut faire des petits bijoux, des petites bagues ou aussi des petits pendentifs. Pour cela, on va venir utiliser le moule tropical de chez Graines Créatives. Et puis là, je vais venir donc utiliser les nouvelles couleurs Fimo. Donc je vais vous montrer le tutoriel avec la couleur Flamingo. Donc avant d'insérer votre pâte à l'intérieur du moule, vous allez faire une petite boule pour bien lisser votre pâte et pour la travailler. Ensuite, vous allez venir l'insérer à l'intérieur du moule, puis utiliser une lame pour pouvoir découper l'excédent de pâte. Ensuite, on va venir lisser la pâte. Donc, vous pouvez le faire avec une petite lingette ou tout simplement avec la pulpe du doigt pour pouvoir retirer les traces de doigts. Ensuite, pour décorer cet ananas, donc sur le dos de la création, on va venir utiliser de la poudre Fimo Or. Donc là, j'utilise un petit pinceau pour pouvoir déposer la poudre or sur la pâte crue. Mais vous pouvez aussi très bien la déposer à l'aide de votre doigt. Mais ce sera plus facile d'utiliser au pinceau pour pouvoir ensuite faire l'autre côté de l'ananas. Donc voilà, donc on vient retirer le petit ananas qui s'est formé grâce au moule. Et ensuite, vous voyez là, vous aurez besoin du petit pinceau pour pouvoir déposer votre poudre or sur le feuillage de cet ananas. Alors vous voyez, une petite paire de boucles d'oreilles très facile à réaliser, donc vous pouvez vous faire une petite parure en pendentif aussi, c'est très joli, surtout avec les petites couleurs estivales comme ceci. Donc vous pouvez décliner en différentes couleurs hein, les ananas. Vous pouvez le faire donc là ici en bleu. Vous pouvez les faire en violet. Donc voilà comme ici dans la vidéo. Mais enfin bon voilà, vous pouvez faire avec les couleurs que vous voulez. Sachez que je vous ai préparé aussi un autre petit tutoriel avec les nouvelles couleurs Fimo avec le vert olive. Enfin vous verrez ça. Et ainsi que les motifs tropicaux. Vous verrez ça prochainement sur la chaîne également. Donc là, vous voyez la même opération. Je viens mettre la pâte bleue à l'intérieur du moule. Ensuite, je vais y déposer donc la poudre or sur le dos, puis sur le haut de l'ananas. Voilà, pour former des petites boucles d'oreilles. Et puis ensuite, je vais vous montrer pour faire un petit montage donc facile de boucles d'oreilles, comme vous êtes quand même à chaque fois très demandeur pour tout ce qui est montage bijoux, chose que j'ai faite pour le prochain tutoriel également. Donc voilà, là je redépose la poudre Fimo Or sur le dessus. Ensuite, je passe les créations en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, voilà, j'ai mis un petit peu de vernis Fimo sur les créations pour pouvoir donner de la brillance et aussi pour protéger la poudre Fimo Or. Ensuite, je vais prendre un petit instrument pour percer le haut de mes ananas. Mais vous pouvez très bien utiliser une petite pointe et puis faire le trou avant cuisson. Voilà, si vous ne voulez pas percer, si vous n'avez pas d'outils pour percer par la suite. Ensuite, on va prendre des petits anneaux pour pouvoir passer, des petits anneaux de jonction pour pouvoir passer à l'intérieur du petit trou. Ensuite, on vient passer un deuxième petit anneau. On vient refermer notre anneau. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à déposer donc votre support, votre crochet de boucle d'oreille pour pouvoir terminer votre création. Donc vous voyez, rien de plus simple pour pouvoir réaliser une jolie petite paire de boucles d'oreilles. Voilà pour ce tutoriel très très simple et facile à réaliser qui seront sûrement très tendance cet été. Voilà, cela vous permet aussi de voir les nouvelles couleurs Fimo. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et puis on se retrouvera prochainement sur la chaîne pour sûrement d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao !